Bonjour les amis, ici Hardecoeur. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons jouer au jeu Start of Survival. Du moins, on va l'essayer. Donc c'est parti, prêt, go! Confirmé. Oula! Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Ah! C'est une horreur déjà l'image qu'on voit de tête, les amis. Ah! C'est quoi ces espèces de zombies pourris là qu'on voit? Ah d'accord, déjà ça commence fort ce jeu, les amis. Donc surtout, les amis, vu les images que je vois, je dirais qu'il faudrait éviter que les enfants du moins de 12 ans, voire un peu plus, jouent à ce genre de jeu. Parce que les zombies, ça fait un peu les chocottes, quoi, les jetons. Donc je pense que c'est pas trop pour eux. Donc nous voilà dans le vif du sujet maintenant. Ah d'accord, on incarne un espèce de sergent. C'est clean, il n'y a pas d'infection. Super, alors. Donc, on va avancer comme il est demandé. Donc, il y a une horreur là qui est venue nous faire chier. Donc, on l'a vaincu. Et apparemment, il y a une espèce de dame. Bah, merci, j'imagine. D'accord, ben. Mais ils ont aucune chance contre Franck et moi. Ah bon, ben, on verra ça. Waf! Qui a aucune chance contre toi et Franck. Et c'est qui ce Franck? Ah, c'est cette espèce de chien. Ok. Un chien qui s'appelle Franck. Première nouvelle, les amis. Hein. C'est bizarre, quoi. Donc, voilà. Alors, le sergent. Attention. Il y en a d'autres qui arrivent. Ok. Vlado de saloperie a supprimé, quoi. Donc, on va s'en charger de ces bestioles. Comment on fait? Bah, c'est que ça se tire automatiquement? Ok. Hé, hey, gros costaud, installe ta tournelle. Ok. Et hop, c'est ça la tournelle? Ok. Ah ouais, d'accord. Les coups de feu en attirent encore plus. Il faut se retirer. Ok. On va faire ça. Bouffe cette bombe artisanale. Ben ok, on va mettre la bombe artisanale, c'est parti. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas grand-chose, hein, j'ai l'impression, les amis. Suis-moi, je connais un endroit sûr. Ok, ben on va voir où tu veux nous emmener, hein. Il est où cet endroit sûr? Ben on va bien voir. Maddy, je t'ai dit de ne pas sortir toute seule. Et je pense aussi l'avoir dit de ne pas dévoiler notre cachette. Désolé, Becca, mais il m'a sauvé et il est blessé. Alors je me suis dit, ben, qui c'est celui-là? C'était stupide de ta part. Un jour, on va tous crever à cause de toi. Sympa le gars, dis donc. Quelqu'un te sauve, mais tu devrais le laisser dans le caca. Vraiment, il est sympa, sympa celui-là. Hein. Ne t'inquiète pas, Willy. Je ne les perds pas de vue. Mais s'ils ont aidé Maddy, ils sont les bienvenus ici. Becca, sergent, a été une grande aide. Maddy, je t'ai dit de ne pas sortir toute seule. Et je pense aussi t'avoir dit de ne pas dévoiler notre cachette. Bah, qu'est-ce qui se passe? Ils répètent la même chose? Donc, on va passer, les amis, parce qu'en fait, ils répètent la même chose. Donc, on s'en fiche un peu, quoi. C'est bizarre, hein. Donc, on va faire passer. Bien, je crois que tu as faim. Maddy adore les tomates. J'espère que toi aussi, tu aimes. Ben, ok, on va se manger ça, alors. Ça commence comme ça, et après, ils vont nous bouffer la laine sur le dos. What? La laine sur le dos? Comme si t'avais de la laine sur ton dos, quoi. C'est bizarre, celui-là, hein. Ne t'inquiète pas, Will. S'ils abusent, on les remettra dans le droit chemin. Que diriez-vous de vous rendre utile, soldat? Aidez-nous à abattre quelques arbustes. Vous trouverez peut-être à manger. Ouais, ben, pourquoi pas. Donc c'est parti, nous allons couper ces arbustes. Et voilà qui est fait. Et quelques tomates en plus, génial. Et on va en faire le suivant.
Et encore des tomates. Yeah, avec du bois en plus. C'est délicieux. Doucement, Maddy. Pas de gaspillage. Si vous avez l'intention d'élire domicile ici, pour de bon, il y a des bonnes terres cultivables là-bas. Vous pourriez construire une ferme. Ok. Alors, pour construire... D'accord, faut aller où il y a la main. C'est parti. Donc, on va choisir la ferme. C'est parti. Nous allons la placer où... On peut pas la déplacer. Pas la mettre forcément là. Donc, on va cliquer sur « Valider » pour voir. Qu'est-ce qu'elle veut, Becca? On dirait que vous savez ce que vous faites. Je pense que cet endroit peut vraiment donner quelque chose de bien. Ah ouais? Tu crois m'enverra bien? Je vous le dis tout de suite, je ne reçois pas d'ordre des étrangers, compris? Lui est vachement sympa celui-là, j'ai l'impression. Mais bon, de toute façon, faut aussi comprendre qu'il doit se méfier d'eux, quoi. Sois sympa, Will! On est tous dans la même galère. Voyons voir ce qu'il faut faire d'autre ici. Ok. D'accord, pour voir les tâches, c'est là. Posséder deux fermes, c'est ce qu'il a déjà fait. C'était pas bien compliqué, hein. Sans le savoir, on l'a fait. Donc on fait récupérer. Voilà. On va continuer à récolter sur les arbres, du moins les buissons, comme vous voyez les tomates. Et c'est parti. Et on va continuer. Et voilà, on a eu d'autres tomates, génial. Et encore celui-ci. Et hop! Encore des tomates! Génial! Jetez un coup d'œil à ce vieux entrepôt. Je parie qu'il est rempli de trucs intéressants. Les amis, on va faire un peu le point de ce que je pense déjà de ce jeu. Je trouve qu'il est mieux que certains jeux de construction où vous construisez juste et puis basta. Là, ce qui est bien, c'est qu'il y a des ennemis où vous pouvez jouer quoi aussi avec eux et les combattre quoi. Il a probablement été pillé, mais qui ne tente rien n'a rien. Ça, c'est clair. Attention, les gars, tout ça ne me dit rien qui vaille. Ouais, parce qu'il peut avoir des espèces de bestioles dedans, là, les horreurs qu'on a vues au début. Donc, c'est bien possible. Donc, récupérer, c'est parti. Donc, nous avons encore eu des tomates et du bois, ce qui est déjà bien. Allez, maintenant, on va aller dans cet entrepôt. On va aller voir ça. Go pour défier ces horribles monstres. C'est parti. Élimine tous les infectés. D'accord. Ça commence, mes amis. Donc c'est parti. Défi. Donc c'est bien ce qui me semblait, c'est qu'il y a des horreurs là-dedans. Donc on va affronter nos premières horreurs, les amis. Du moins nos deuxièmes horreurs, hein, comptant les autres qu'on a aidés. Je vois rien du tout pour l'instant. Ah voilà, mais les horreurs sont là. Ah, oh, il y a même un gros tas horrible là. Putain, mais on va jamais réussir à les avoir, les amis. Là, il y en a un gros horrible là qu'on essaye d'avoir. Est-ce qu'on va l'avoir? Ah, ça y est, il est mort, ce gros pavot. Yes! Les amis, c'est bon, ça, on a gagné. On va continuer. Alors, qu'est-ce qu'on a eu dans cette espèce de caisse? De la tomate, du bois. Et un manuel de construction. Ok. Et voilà, on va récupérer les tomates. Voilà qui est fait. On va regarder les tâches. Récupérer. Et j'ai l'impression que c'est un peu la même chose, quoi. On débarrasse, en fait, des lieux. On va tuer les monstres. Et ensuite, après, c'est reparti pour un tour, hein, les amis, j'ai l'impression. Ben, j'ai oublié de lire ce qu'elle avait dit. Bon, ben, c'est pas grave, vous pouvez le lire en mettant sur la pause. Moi, je lirai plus tard, c'est pas grave. Pas bah ! Ils ont eu un coup de bol, c'est tout. Oh, bah, sympa, lui ! On a eu un coup de bol pour lui, comme si c'était facile de se battre contre eux. Ok, merci. Hein. Est-ce que vous avez fait récemment? Willy a raison. On a eu de la chance. Nous avons trouvé assez de ressources pour réparer l'entrepôt. Ok. Ouais, s'ils étaient plus nombreux, c'est vrai qu'on aurait pu se galérer quand même. Accélérer.
Donc on va réparer apparemment l'entrepôt. Bon, on va prendre des tomates quand même. Et on va réparer l'entrepôt. C'est parti. Et voilà, c'est réparé. On récupère. On peut récupérer encore. Donc on récupère encore. Chapitre terminé, les amis. Yeah! C'est bon ça. Bien joué, chef! Vous avez gagné ces récompenses. Génial! Il nous reste encore du bois. Et si on renforçait le QG? Ce serait pas mal, oui. Bonne idée. Mais il nous faudra plus de vivres pour que tout le monde soit en forme. Hop, accéder. Alors, ce que je pense de ce jeu, il me paraît pas mal quand même. Parce qu'il y a tout. Vous construisez des choses, vous avancez dans une aventure. Et en plus de ça, vous combattez des monstres. Donc, je trouve que ce jeu est complet pour ce genre de jeu. Donc, il est pas mal. Je vous le conseille de jouer si vous voulez jouer un jeu gratuit. Donc, ce serait bien pour vous. Donc les amis, sur ce, on va se dire à bientôt. C'était Art de Cœur. Si t'as aimé ma vidéo, mets un like ou tu peux bien t'abonner à ma chaîne. Abonne-toi à ma chaîne ou tu prendras un coup de baguette. Nox! Et surtout, sois bien à te laver les mains et mets ton masque de protection quand tu vas dehors. Et respecte bien aussi les 1 mètre de sécurité parce que le coronavirus est toujours là. À bientôt les amis.